wino. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo assez spéciale car Geoffroy m'a demandé en commentaire dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo précédente, comment faire un spawn. Du coup, je vais vous présenter comment je fais pour créer mes maps et comment je fais pour être sûr à 100% que des joueurs apparaissent sur le spawn dédié, le spawn personnalisé sur la map. Du coup, je vais en solo. Créer un nouveau monde. Là, je nomme mon monde. Donc là encore, tout le monde sait faire. Je me mets en créatif. Je fais plus d'options. Puis, le type de monde par défaut, c'est pas ce que j'utilise le plus. Il y en a certains qui vont l'utiliser. Ça peut être pas mal, mais je préfère encore utiliser le monde plat. Ensuite, je vais faire personnaliser. Je vais dans les pré-réglages. Et ensuite, je fais ceci. J'efface tout ce qui se trouve là. Et entre les deux, je vais mettre 0. Et en fait, du coup, on aura un bloc d'air en surface. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura rien sur notre map. En fait, ensuite, je fais terminer. Ma structure, je mets non pour éviter les villages et tout ce qu'il y a aussi. Puis, je fais terminer. Là, j'ai ma map tuto avec les personnalisations qui ont été effectuées. Je suis en mode créatif. Je fais créer un nouveau monde. Maintenant qu'on est sur notre nouveau monde, alors ce que je fais maintenant, c'est au lieu de rester au point que je suis, donc ce que je fais, c'est que je vais aller en 0-0. C'est souvent le point de spawn que je prends pour mieux me repérer, car si par exemple j'ai besoin de faire une sorte de géométrie dans mon spawn, je sais que dans les x il faudra que j'aille à 20 et dans les moins x il faut que j'aille à moins 20. Ça sera toujours les mêmes points. Ensuite, du coup, on va placer un bloc à notre endroit. Donc ici, ça sera ce bloc 0 0, puis je vais mettre de la stone. Donc ici, nous avons un bloc de stone de hauteur 0 qui se trouve en 0-0. Maintenant, pour que le spawn marche bien, là, on l'a pour un joueur tout seul. Après, vous pouvez utiliser aussi des commandes comme set for spawn. Du coup, là, vous avez défini votre monde en 0-1-0. Ensuite, vous allez compter 10 blocs, parce que du coup, maintenant que votre spawn est ici, le spawn s'élargit de 10 blocs. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pareil de ce côté. On va faire même comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous allez faire fill. Donc ici ça sera moins 10, 0, moins 10, stone, et on va mettre 1. Bon, du coup c'est pas la même pierre, mais c'est pas grave. Du coup maintenant vous avez créé votre spawn. Après, à partir de là, vous pouvez du coup vous retrouver là-bas. Et donc créer, bien sûr, du coup les murs, faudra les dépasser ici. Mais dans le cas où c'est une map solo, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça, parce qu'en fait, le joueur va se trouver à l'endroit où vous vous êtes trouvé vous. C'est-à-dire que si par exemple j'ai fini de créer ma map et ensuite que je me mets ici, le joueur, quand il va télécharger la map et jouer à la map, au premier endroit, la première vision qu'il va avoir, ça sera ça. Il va apparaître à votre place. Mais par contre, s'il y a des gens qui veulent le faire en serveur, donc ils créent un serveur, ou ils ont déjà un serveur et puis ils mettent la map, pour qu'ils se trouvent au bon endroit, il faut faire cette plateforme. Parce que si vous ne faites pas cette plateforme, du coup, par exemple, le spawn il se trouve ici, il peut y avoir un joueur qui se trouve en dehors du spawn. Donc il faut bien faire votre plateforme dans le cas où vous pensez que votre map peut s'effectuer à plus d'un joueur.
Ensuite, je vais montrer un autre logiciel parce qu'à partir de là, moi, je n'utilise pas les commandes qui sont ici. C'est pas ce que j'utilise le plus. Surtout qu'on ne peut pas tout faire. Du coup, je vais utiliser un autre logiciel pour vous montrer ce que je fais ensuite, dès que j'ai fini de créer une map, pour que ça marche à perfection et qu'on évite les cheaters. Bon, il y a toujours une méthode pour cheater, mais au moins, vous évitez que la triche se fasse à tout moment. Donc, on se retrouve tout de suite. Du coup, maintenant, on se retrouve sur un logiciel qui s'appelle NBT Explorer. Donc, c'est celui-là, ici. Et du coup, en fait, NBT Explorer est un logiciel qui permet de lire le dossier Save de Minecraft. Du coup, ça veut dire qu'on pourra lire tous les maps que vous avez sur Minecraft. Donc, nous avons justement que le dossier Save. Donc, vous allez l'ouvrir. Ici, on a toutes nos maps. Donc, on va chercher la nôtre. Ici, c'est Map Tuto. Donc, on va sur Map Tuto. Puis ensuite, on va ouvrir level.data. Puis ouvrir tous les data qu'il y a. Donc ici, nous avons, en fait, dans ces datas-là, nous avons beaucoup de choses utiles. Donc, est-ce qu'on bloque la difficulté? Est-ce que le joueur a droit d'utiliser les commandes ou non? Quand est-ce que la pluie va venir? Quand est-ce que le jour va arriver? Le temps qu'il y a sur la map aussi. Nous pouvons même modifier le joueur lui-même, donc sa position, sa rotation. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on va changer. Donc, quand je crée une map, surtout, moi, je change d'abord la locomande. Donc, on va éditer, on va mettre 0. Vous pouvez mettre que 0 ou 1. Si vous mettez plus, il ne va rien se passer, ou alors il ne va pas accepter, parce que en la locomande, on peut dire non. Grâce à 0, et on dit oui avec le 1. Ça, c'est comme un code binaire. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi comme un code binaire, mais dans les options, nous n'avons que 0, 1 dans Allocommande. Ensuite, nous avons la difficulté. Donc ici, nous pouvons changer la difficulté. Si la difficulté est bloquée ou pas, si le monde est en hardcore. Et ensuite, nous avons aussi le game type. Donc le game type, ici, on va mettre 3. Donc normalement, ça doit correspondre. Je pense que je me suis trompé. On va mettre en survie. Donc survie, c'est 0. Ensuite, là, nous avons ça, c'est le temps quand de la pluie qui va venir. Donc si on va mettre, par exemple ici, on va mettre allez, 50, parce que j'imagine que c'est antique, du coup. Là, nous avons plusieurs minutes, mais si je mets 50, ça va durer 1, 2, ouais, 2 secondes, 2,5 secondes. Ici, nous avons notre spawn, donc vous vous souvenez que j'ai utilisé la commande set world spawn, et du coup, nous avons bien notre spawn qui se trouve à 0, 0, avec 1 de hauteur. Ensuite, nous avons aussi l'orage qui arrive dans pas longtemps. Si, quand même dans un petit moment. Ensuite, qu'est-ce que pouvons modifier d'autre? Les bords du centre, on s'en moque un peu. Ah, ici nous avons notre map. Donc ici nous avons en gros l'option que vous avez utilisée. Donc moi c'était le monde plat. Donc ici c'est flat. Ensuite nous avons le générateur option. Donc ici nous avons le 3, le 0 qui correspond à Minecraft. 2.r, le 1 de hauteur, et du coup c'est tout. Ensuite nous avons notre nom de map. Donc ici c'est juste le nom de votre map qu'on voit tout de suite en premier. Donc on peut même le changer si vous voulez. Et on peut mettre même des codes couleurs. Donc, vous vous souvenez-vous des codes couleurs qu'on fait sur les livres? Ici, par exemple, je ne me connais pas par cœur les codes couleurs. Mais par exemple, si je fais ça, on va avoir map tuto en couleur. Donc, on va laisser ça comme ça. Comme ça, on va vérifier ensemble si c'est bon ou pas. Nous avons aussi les game rules. Donc, ici, nous avons toutes les règles du jeu. Donc, si les commandes elles sont bien exécutées, s'affichent dans le chat. Nous avons aussi
si le jour arrive ou pas. Nous avons aussi si le feu peut se répandre. Je ne le connais pas tous, donc c'est pour ça que j'en saute quelques-uns. Si le spawn est naturel, si le spawn de mob est naturel, si nous perdons notre inventaire ou pas. Ça, je pense que c'est le nombre d'entités qu'on a le droit, ben, le nombre d'entités au maximum dans le champ du joueur, parce qu'il y a un champ limite où les mobs spawnent. Donc ici, ça permet de gérer le nombre de mobs qu'il y a autour du joueur. Ensuite, nous avons la régénération naturelle. Donc là, ça, c'est lorsque vous mangez, par exemple, un poulet rôti, vous allez régénérer. Ça, si vous mettez false, ça permet en gros au joueur de manger pour toujours garder sa barre de faim au complet, mais de ne pas se régénérer. Ici, nous avons la vitesse du jeu. Bon, c'est la vitesse du jeu, ça compte en tick. Donc ici, elle est de 3, c'est la vitesse par défaut. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous posez un arbuste de chêne au sol, à un moment donné, il va pousser. Donc vous voyez très bien qu'est-ce que ça donne quand vous plantez votre arbuste et au moment où elle pousse. C'est pas immédiat. Mais par contre, si vous changez ça et que vous mettez 3000, par exemple, vous posez votre arbuste, il va pousser très rapidement, 1000 fois plus rapidement que d'habitude. Ensuite, si on affiche les messages de mort, et nous avons aussi un spawn radius, donc vous pouvez modifier votre rayon de spawn. Donc par exemple, ici, si je mets 1, les joueurs qui vont arriver, ils vont apparaître au spawn, ou autour du spawn, autour du centre du spawn, mais d'un rayon de 1. Donc nous l'avons mis à 0,0, il y a un joueur qui peut très bien arriver en 1,0, ou en moins 1, moins 1, ou en 1,1. Du coup, en fait, le spawn en entier se trouve entre moins 1, moins 1 et 1,1. Ensuite, nous pouvons même modifier ici le joueur. Donc ici, j'étais sur le sol, oui, j'étais bien sur le sol, c'est lui qui le dit. Ici, c'est est-ce que je suis en train de voler, est-ce que je suis invulnérable, est-ce que je suis sur le sol, est-ce que je suis en train de dormir. Alors, tiens, faudrait que je teste de faire une map où on commence en train de dormir et on se réveille comme ça. L'air, oh, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si le joueur se trouve dans est enflammé ou pas. Le temps où le joueur est en train de était en train de dormir. Donc, si vous mettez 20, ça correspond à une seconde. Le temps qu'on dorme, ça prend à peu près 5 secondes, un truc comme ça. Donc, si vous mettez par exemple 100, je pense que le joueur va se voir se réveiller rapidement. Après tout ça, je ne connais pas. En quel mode de jeu le joueur est. Donc ici, en haut, j'avais mis 0. Du coup, on va mettre le joueur en 0. Du coup, normalement, si je retourne sur ma map, je vais être en game mode survie. Donc ici, ça correspond à tous nos XP, donc forcément, je n'ai pas tué de mob. Donc, notre niveau, l'XP total qu'on a gagné, et ça, c'est l'XP qu'on a avant de passer au niveau prochain. L'absorption, si nous avons l'absorption. Ici, c'est notre vie. Donc après ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais du coup, on va tester ça. Je vais mettre 40. Et on va voir si j'ai bien 40 cœurs dans ma barre. Oh non, on va mettre 3. Et ça sera un peu comme un sort de jeu Zelda. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, notre inventaire. Donc, j'avais pris de la pierre. Donc, j'ai bien de la pierre. Dommage 3, ça doit correspondre aux data. Alors, normalement, la stone, c'est 0. C'est assez bizarre. Pourquoi dommage 3? Non, le nombre c'est ça, le slow ça correspond au slow de mon inventaire, donc c'est le 0, ça va de 0 à 8. On va modifier, on va mettre
send, Minecraft 2.send, et dommage, on va mettre 1. Comme ça, si le dommage correspond bien aux données du blog, normalement, je dois me retrouver avec du sable rouge. Ici, qu'est-ce que j'ai? Donc ça doit correspondre... Non, j'ai rien dit. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça, c'est la position. Donc là, oui, je me retrouve bien dans la position. Donc ici, on peut remettre le joueur à la position au spawn. Donc 0, 0. Voilà. Ensuite, nous pouvons mettre la rotation. Donc après, je ne sais pas à laquelle correspond à laquelle, mais normalement, dans le sens, ça fait 180. On va faire 180 0. Normalement, je dois regarder droit devant moi. Voilà. En fait, le reste, je pense que je ne le connais pas. Non, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc là, je ne sais pas. Donc, c'est tout bon. On va vérifier tout ce que j'ai changé. Ben, tout de suite, je ferme tout ça. D'abord, bien sûr, pensez à sauvegarder. Faites pas comme moi où j'oublie souvent de sauvegarder ce que je modifie. Parce que sinon, vous allez rager un peu comme moi. Donc, on se retrouve tout de suite sur notre map pour voir si ce que j'ai modifié a bien été exécuté. Et encore une fois, donc cette fois, alors je vous ai attendu quand même, bien sûr je saute le passage entre le NBT Explorer et Minecraft, mais je vous prie de me croire, je n'ai pas du tout triché, donc on va voir ça ensemble. Donc on va aller en solo, donc là nous avons notre map tuto, vous avez vu, la couleur a changé, j'avais oublié qu'on avait changé la couleur. Ensuite, nous avons ici qu'on est en mode survie. La version n'a pas changé non plus, donc c'est tout bon. Alors, la map se trouve bien en map survie. Donc maintenant, nous allons voir notre position. Alors, je n'ai pas bougé et j'étais bien à 3 cœurs. Sauf que du coup, nous n'avons pas gardé notre barre de vie en bas. Ah, faudrait que je regarde ça. Ça mérite une deuxième vidéo sur ce sujet. Notre position est bien à 180, à 0. Nous sommes bien à 0 pile, à 1 pile et à 0 pile. Donc c'est tout bon. Et j'ai bien un sable rouge dans la main. Donc ce que je comprends pas. Et ah oui, est-ce que je peux utiliser les commandes? Ah non, ça n'a pas l'air. On va faire game mode 1. Et non, je ne peux pas utiliser la commande. Donc, je vais me mettre en mode créatif. Ça va être très rapide, mais je ne vais pas vous montrer ce passage-là. Donc, à tout de suite. Et maintenant, on se retrouve... On se retrouve sur la map. Donc, normalement... Ah oui, c'est pas 0, c'est 1. Donc là, je me suis mis à 1. Donc, la stone, ça se trouve... Ben non, alors pourquoi il m'avait dit 3? Est-ce que j'avais pris ce bloc-là par hasard? Non, le 1. Ah non, oui, pardon, j'avais oublié. Oui, donc c'est ce qui était écrit dans NBT Explorer était tout à fait juste, puisque j'avais pas cette roche ici sur moi, mais c'était celle-là. C'était bien cette roche-là avec un donné de 3. Donc c'est écrit après le slash. Donc c'était bien un 3. Ici c'est 0. Donc c'est ce que j'avais dans mon inventaire. Là, si on retourne voir normalement sur le joueur, nous avons dans Slow 2.0, Minecraft 2.cendre, ensuite de Count 1 et Damage 1. Ici, nous aurons dans Slow 2.1, Minecraft 2.stone, Count 1 et Damage 1. Et là, du coup, ça sera Slow 2.2, Minecraft 2.stone,
Count 1 et damage 3. Donc normalement c'est tout bon. Si on retourne voir là, cette fois-ci, ça sera écrit comme je viens de vous le dire. Là j'ai changé de position, donc la position aura changé aussi. Ah oui, il y a aussi ce que je vous avais dit par rapport à la pluie, j'avais mis 50. Ben, vous avez vu que la pluie vient juste de tomber. Ça, je vais vous dire que par rapport aux commandes, je pense que je ne sais pas faire ça. De faire tomber la pluie tout de suite. Ah mais quoi que, ben si, je suis bête. On peut faire ça comme ça. Ah oui. Désolé, j'avais oublié la commande Wizard. La preuve que je n'ai pas triché pour vous. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, même si ça n'a pas été très grand, même si je n'ai pas été assez explicatif, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est vrai que, ben, du coup, je viens de voir qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de voir, quelque part. Et donc, je ferai sans doute un deuxième tuto dessus. Donc là, c'est le tuto numéro 4, si je ne me trompe pas. Du coup, le deuxième tuto, ça sera un tuto 4.1, puisque je mets toujours un point. Si jamais je reviens dessus, j'ai mis le nom en 4 points quelque chose, comme des versions. Donc, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras aimé. J'espère que, surtout que Geoffroy, j'espère que tu auras aimé visualiser ça. Tu sauras quoi faire. Je vais essayer de trouver le lien de téléchargement de NBT Explorer pour Mac et pour Windows sous la description. Je vais vous laisser là et pensez à vous abonner. À plus, bye bye.